En l'espace de moins d'un an, Vincent Cheminot est passé de l'hippodrome de Royan-la-Palmyre à celui de Châtine à Hong Kong. Le jeune jockey vedette de l'obstacle, devenu star du plat en quelques mois seulement par la volonté d'André Fabre, effectue à 21 ans son premier grand voyage. S'il a remporté son premier groupe 1 étranger durant l'été 2015, il est cette fois parti pour 2 mois de l'autre côté du monde pour une aventure autrement plus exotique sur le petit bout de rocher brûlant de l'Asie du Sud-Est. C'est une belle expérience, ça me permet de progresser et qui va me permettre aussi d'acquérir beaucoup plus d'expérience pour l'année prochaine. C'est une belle expérience que je savoure pour l'instant. Alors un peu plus dans le détail, comment ça se passe? Qu'est-ce qui surprend déjà quand on arrive? On rappelle, c'est ton premier voyage, l'autre bout du monde. Quelles sont les premières surprises qui sont arrivées dans les premiers jours? Alors c'est des courses qui n'ont rien à voir avec la France, c'est des courses qui partent très très vite, qui ne reprennent jamais. Donc pour ça, faut s'habituer, faut s'acclimater au système des courses hongkongaises. Deux hippodromes qui sont complètement différents, Châtine, on va dire un peu plus classique, et l'hippodrome d'Happy Valley. Alors c'est complètement hallucinant, comment ça se passe à Happy Valley, première fois que tu as mis les pieds là? C'est extraordinaire, c'est un hippodrome qui est au milieu des buildings, donc c'est vrai que ça surprend. Après c'est agréable à monter, hormis que ça tourne beaucoup, c'est très sympa. Comme je vous dis, les courses vont très vite, donc on n'a pas de surprise par rapport à ça. Le rythme de vie et le rythme de travail, pas une fois de plus, c'est le jour et la nuit par rapport à la France. Comment ça se passe, tes matinées ici? Très bonne, je travaille pour plusieurs entraîneurs différents. Les galops sont assez similaires, c'est à peu près la même chose tous les matins, donc à partir de là, tout se passe bien. Moi, j'ai l'habitude de quand même de me lever tôt, donc par rapport à ça, ça ne me change pas. Et pour l'organisation des montres, les rapports avec les professionnels, comment tu gères la situation? Alors, le Hong Kong Jockey Club nous a donné, nous, aux Français, Grégory et moi, un agent qui est local, donc c'est lui qui nous gère nos montes ici et qui nous traduit quand on a besoin. L'étranger, est-ce que ça a été un rêve de gosse pour toi ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres pays que Hong Kong qui te fascinent particulièrement? À vrai dire, j'y ai jamais vraiment pensé parce qu'en obstacle, on quitte pas la France. Donc j'y ai jamais pensé, tout ce que je vis aujourd'hui, c'est un rêve, donc comme je viens de le dire, je savoure.